we are on different nationalities here. Both, I'm from Ghana, there are Chad, there is Cote d'Ivoire, there is Sudan, Darfur, one Egypt, and we know what we passed through from the desert. After 7 years pain, 4 years being bound by no assistant, 4 years, no assistant, like medical care, no food, no, they don't give us food, no adjunctives or nothing. I think many, they know, they are well of this, the pain that they put us in. Depuis la fermeture du camp, qui a été prématurée, je pense qu'il faut quand même le souligner, on a le HCR, enfin l'eau a été coupée, l'électricité également, alors que des personnes résidaient encore sur le camp. Depuis la fermeture du camp, un des blocages principaux a été effectivement qu'il n'y a pas eu de volonté politique forte d'intégrer ces personnes en Tunisie ou de trouver des solutions durables. قبل ما يقع غلق المخيم كانت موجودة لجنة على المستوى الجهوي كانوا فما بعض اللاجئين أيضا معناها شاركوا في الاجتماعات هذه فما ممثلين على اللاجئين وصارت مرحلة لأنه أي مخيم أنا بالنسبة للمفوضية لازم باش يجي وقت وينتهي المخيم والمخيم معناها للاجئين هو تكلفة كبيرة ياسر للمجتمع الدولي للمفوضية وللشركاء نتاعها إذا لما نقص العدد نتاع اللاجئين ولا الخيار اللي يكونوا يوليوا لاجئين في المناطق الحضارية هم ما طلبوش الحقيقة باش يقعدوا في تونس وتونس بطبيعتنا احنا ما عندناش الدروا دازيل في تونس دونك قال لك احنا اليو ان اتش سي ار كي جابتنا لتونس قالت اللي هي باش تسوي لنا وضعيتنا واحنا لينا 6 سنين وضعيتنا ما تسويتش احنا عمرنا ما طلبنا اللي احنا نجيو لتونس وانتم كي جينا لتونس توا لازمكم تلقاو لنا حل الوضعية نتاعنا لازم تشوفوا لنا الدوسيات نتاعنا مش معقول اللي انتم حكمتوا علينا اللي احنا ما نستحقوش طلب اللجوء في عملتونا دي زونتروتيان اللي دوري نتاعهم 30 دقيقة 30 دقيقة واحد يحكي فيها حياته الكل ومن 30 دقيقة هذوكم تقرر اسكو انا عندي الحق في اللجوء ولا ما عنديش الحق في اللجوء يطالبوا اللي هما يعاودوا يشوفوا حالتهم يقول لك انا اذا معناتها رضيت باش نقعد في الصحراء 6 سنين معناتها بالحق اني نرجع لبلادي After that particular pain, they brought us, that was 2 months ago, from the capital. The military just came in and tell us that we have 30 minutes to take our luggages out of the place. That the solution to the problem is in the capital. We'll go there and there are organizations. The government is negotiating with international community. And perhaps there are organizations waiting for us to interview us and solve our problem. This is what they tell us. So we do not go into argument with them. We have to follow them. Last week, they came last, that was 8-9 days ago, they came here, they tell us that they want to remove us from here. Dump, keep us in a place, I forget the name of the area, almost 300 or 250 kilometers out of the capital. That was a border area to Algeria. This is where they are planning to go and dump us. After the pain, they did not feel, no, they did not feel on us. That's why we've been on hunger strike. If they take us from here, they should take us out of the country and relocate us. This is just why we are on hunger strike. Donc quand ils sont arrivés au centre des jeunes de la Marsa, il y a tout un collectif d'organisations qui s'est proposé d'aider. Et le lendemain, on a reçu une notification nous disant que l'OIM et le CRT avaient été désignés par les autorités tunisiennes pour s'occuper de ces personnes. Donc on a pris un peu de la distance, mais on a toujours été en contact d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait, je pense, aussi un lien émotionnel entre eux et MSF qui était le dernier œil sur leur situation. Et ces derniers jours, on a reçu quelques appels des bénéficiaires eux-mêmes, des migrants, nous appelant à l'aide en fait en disant que ça faisait quelques semaines qu'ils n'avaient plus vu de médecin, certains n'avaient plus de traitement. Et donc, logiquement, on s'est inquiété et surtout l'information qu'ils avaient entamé une grève de la faim. Quand on y est allé, effectivement, moi j'ai constaté moi-même 2 personnes dans un état très faible parce qu'ils ont refusé de manger, de boire. La communication qu'ils ont eue avec certains interlocuteurs n'était pas correcte, toujours selon eux.
Et hier, quand j'y suis retourné, ben, c'est vrai que certains d'entre eux m'ont dit « Nous n'avons plus de savon, nous n'avons plus de brosse à dents, nous n'avons plus de dentifrice, nous n'avons plus de shampoing. » Donc tout ce qui était en matière d'hygiène n'était plus présent. Et c'est une information qui a été confirmée par une personne qui travaille au centre des jeunes de la Marsa. Quand on a parlé, on a été les voir immédiatement. Et on a parlé avec eux à plusieurs reprises. Donc les collègues les suivent, ils font des visites régulièrement. Mais c'est vrai que ce n'est pas un copier-coller pour tout le monde. Donc c'est à comprendre quelle est la situation de chacun pour trouver la solution pour chacun. C'est vrai que dans notre entretien avec eux, il y a surtout une demande, voilà, on ne veut pas rester ici, on est des réfugiés, notre demande n'était pas, voilà, la demande d'asile n'était pas traitée. Why did they put segregation in us when we are coming from Libya? Why didn't they call all of us migrants? We were refugees. If you go to social camp history of in the internet or the history of social, they are not saying migrant from social that they brought from Libya. They call it social camp, refugee camp. So why are they saying we are migrant? Are we not all in the same problem? We all in the same problem. Everybody have you have you as you or wherever you are, even though you are from America, you have the right to be relocated in case of where you are, if you have fear and persecution there and you demand a relocation, you can be relocated. Not to allegation of you are a migrant. If the migrant is just a general word, I can say that. Si c'est ça vraiment ce qu'on pense qui est, c'est le HCR qui cherche, qui travaille sur les réfugiés, c'est pas l'OIM. Donc si c'est vraiment une question, ils disent ils sont des réfugiés, il faut les aider autant que les réfugiés, ça serait important d'impliquer le HCR plus. بالنسبة للمفوضية مش في تونس فقط معناها على كامل الدول اللي تشتغل فيها في العالم معناها إذا كان لما تدرس حالة اللجوء لما ما تتوفرش معايير اللجوء في الشخص يقع رفضه رغم ذلك معناها قمنا بالمساعدة أيضا للمهاجرين اللي موجودين معناها في المرسى فيما يتعلق بالأكل بالرعاية الطبية عن طريق هلال الأحمر بالمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة الثلاثة لاجئين اللي موجودين أعطيناهم اقتراحات كما تعرفوا عندنا مبنى في ولاية مدنين اللي هو يضم بعض عدد من اللاجئين واقترحنا عليهم معناها التنقل للمبنى هذاك أو إيجاد حلول ثانية معناها خارج المبنى تاع المرسى تقديم المساعدات لكن هما رافضين والمفوضية ما تنجمش تفرض أي شيء We thank Tunisia for hosting us in a desert. We know what we passed through in Tunisia. We passed through a lot of pain. We don't want to explain about that. A lot of pain. But we, that international community brought from Libya, I think it is their problem. They should find a solution for us, not the Tunisia. Tunisia did not colonize me. Let me say that. Perhaps I'm not a Tunisian. I can't speak the language. I'm not a Tunisian colony. There are a lot of things that are going on in this country against me, and I can't. It's not something that I should emphasize on because I don't have interest. And perhaps everybody has right to choose what he like or where he wants to live his life. On espère, surtout tant que le jour où c'est une urgence, on espère que ça va se faire un peu, parce que je ne sais pas si les 25 personnes ont fait un jour et ils ne sont pas. Quand les gens font un jour, ما نقدروش احنا نعطيه حتى إضافة ما نجموش كما نقولوا بالغصب الحلول تكون موجودة لكن كما تعرف اللي هما الكلهم يرغبوا في الذهاب إلى بلدان ثانية إلى بلدان أوروبية أو غير هي معناها حاجة Ces personnes sont réfugiées quand même. Elles ont fui des combats armés en Libye, sont arrivées en Tunisie dans des conditions de précarité et de vulnérabilité très fortes. Ces personnes sont réfugiées et à ce titre, à notre sens, le HCR doit réouvrir les demandes d'asile à la lumière à la fois de leur situation actuelle en Tunisie, encore une fois dans une très grande précarité, à la lumière des changements qui ont pu avoir lieu dans leur pays d'origine. Et à notre sens, ça doit aussi amener le HCR, par le biais du statut de réfugié, à prendre sa part de responsabilité dans la question,
On parle encore une fois d'une trentaine de personnes qui pourraient, une fois le statut de réfugié octroyé, pourraient ensuite bénéficier de procédures de réinstallation, comme ça avait été le cas en 2011. Donc c'est un peu ce qu'il dit, ça fait 7 ans qu'on était oubliés, on nous jette dehors du jour au lendemain, mais on nous remet dans un endroit et encore aujourd'hui on veut nous déplacer, mais rien n'a changé sur leur situation. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut entendre leurs demandes, peut-être une réouverture de leur dossier serait intéressante pour un groupe de personnes aussi petit, et d'autant plus qui ont vécu des traumatismes et habitent en Tunisie depuis 7 ans.